c'est pour mes as de la jungle qu'ont des principes de mafieux. Passe le machin, je braque ce rap jeu. C'est du classique fucking shit. Et pas de classique de DJ. On nous demande de consommer local, de faire la bonne action. Mais ils disent que c'est normal d'augmenter l'importation. On nous demande d'acheter des ampoules basse consommation. Mais ils allument des panneaux de pub même en cas d'insolation. On nous demande de faire le tri, ils peuvent s'asseoir sur un balai. Puisqu'ils n'interdisent pas la vente de produits sur un balai. Je les vois comme un père qui bave son môme. C'est interdit de manger ce qu'on a pêché dans le fleuve. Faudrait qu'on boive son eau. On nous demande pas nos avis, ils vont nous tendre aucune chance. Pour nous les procès vont très vite, y'a plus d'attente aux urgences. On nous demande rien concernant les gestions d'état. Et pour qu'on soit chien exerce une pression létale. On me dit que Magova pollue trop. Je culpabilise, construise des cargos plus gros. On nous demande d'être citoyen modèle. Quelle belle consolation. La pub est-elle responsable d'une telle consommation? On en a rien à foutre. On sait que c'est vu tristement. On exécute ce qu'il demande. Rien à foutre. On sait que c'est vu tristement. On exécute ce qu'il demande. Rien à foutre. On sait que c'est vu tristement. On exécute ce qu'il demande, rien à foutre. On sait que c'est vu tristement. On exécute ce qu'il demande. On nous demande d'être compétitif jusqu'au troisième âge et de finir nos tristes vies dans des maisons de gardiennage. On nous demande d'être à jour dans nos déclarations d'impôts. On nous demande de vivre pleinement avec la ration d'un pauvre. On nous demande de ne rien dire et d'acquiescer. C'est parce qu'ils n'en ont jamais pris qu'ils ont interdit la fessée. On nous demande de les croire sur parole. Si tu fais une colo, tu peux y voir une carotte. On nous demande d'être calme et poli devant une armée de police. Les gilets jaunes sont rouges après une année de folie. On doit la fermer. Quand ce qu'on voit les incrimines, on est traité de complotistes. Lorsqu'on croit les intimistes, on nous demande d'aller voter pour des gens placés par d'autres. Ils veulent seulement la richesse du peuple et pas ses fardeaux. On nous dicte nos vies tout en étant consentants. On avale des conneries doutant des gens qu'on s'entend. On en a rien à foutre, on sait que c'est vu tristement. On exécute ce qu'il demande, rien à foutre. On sait que c'est vu tristement. On exécute ce qu'il demande, rien à foutre. On sait que c'est vu tristement. On exécute ce qu'il demande, rien à foutre. On sait que c'est vu tristement. On exécute ce qu'il demande. J'suis pas du genre à faire ce qu'on m'ordonne, j'suis désobéissant. C'était déjà le mot d'ordre avant que j'ai des os vieillissants. Ils ont créé des normes dans lesquelles j'ai pas ma place. En 2020 faut croire qu'on se manque encore des femmes à barbe. Eh d'accord, j'ai des petites addictions. J'suis pas matérialiste sauf quand il s'agit de son. Mais j'agis à mon échelle, j'me fie à mes besoins vitaux. Faudrait penser par soi-même, être un peu moins mytho. On a le choix, on a le nombre, y a plus qu'à faire la diff. Créer l'alternative et que le bras de fer s'active. On nous demande des comptes, des justifications. On nous demande d'être con, c'est purificatif. Mais on n'est pas de cela, on était mis hors la loi. Toujours le cas de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord de la Loire. Je suis pas prêt d'accepter les ordres de Fada et de Maboul. On devrait tous pouvoir faire pousser notre tabac et la bouffe. On en a rien à foutre, on sait que c'est vu tristement. On exécute ce qu'il demande, rien à foutre. On sait que c'est vu tristement. On exécute ce qu'il demande, rien à foutre. On sait que c'est vu tristement. On exécute ce qu'il demande, rien à foutre. On sait que c'est vu tristement. On exécute ce qu'il demande.